c'était vraiment, vraiment le fun. Je ne pouvais pas choisir un meilleur tournoi pour vraiment commencer ma carrière professionnelle. Je veux remercier Golf Québec de m'avoir donné un spot. C'est vraiment, vraiment apprécié. Puis c'est sûr que finir premier Québécois, c'est un peu la cerise sur le Sunday de la semaine. J'aurais aimé mieux jouer un peu mieux que ça. J'ai une misère sur mon putting toute la semaine, mais je suis vraiment fier de moi quand même. Non, mais c'est sûr que j'étais un peu nerveux sur la première tee shot, mais j'aurais été beaucoup plus nerveux si j'avais pas participé au Canadian Open cette année. Là. Disons qu'après avoir participé à ce tournoi-là, il n'y a plus vraiment grand-chose qui me stresse. Là. C'est sûr que le golf, c'est un sport de momentum. C'est drôle, mais quand t'en fais un ou deux potes un peu plus longs, dans le 15 pieds, 20 pieds, le trou devient plus gros. Mm-hmm. Il paraît plus gros. Puis quand t'en fais une coupe, ben, c'est sûr que c'est plus facile d'en faire un autre après, puis de faire comme 5, 6, 7 birdies dans une ronde. Comme j'ai dit, le putter, il était juste pas là cette semaine. Fait que c'était un peu... quand tu frappes bien puis le putter embarque pas, c'est un peu frustrant de se donner tout le temps des chances de birdie quand il n'y en a aucun qui rentre. J'ai juste le putting à améliorer. Ouais. Le putting à améliorer. Je pense sincèrement que mon ball striking est assez bon pour rivaliser avec les meilleurs au monde. Il faut juste que le putting embarque. Après ça, on attaque ce qui arrive, mais je suis sûr que ça va être des bonnes choses.